En faisant à ses enfants le cadeau de l'indifférence, les parents, en faisant à leurs enfants le cadeau de l'indifférence, les parents font de temps en temps, je trouve, offrent plus qu'avec de la sollicitude, dans la mesure où ils lui montrent bien qu'il est seul avec lui-même et que son existence est sans miroir. Et qu'il y a mieux à faire qu'à plaire. Oui. Votre fils aîné, vous avez 4 fils, mais votre fils aîné a dû vous prendre au pied de la lettre, puisqu'il milite à l'UPR. Ça n'est pas un secret, tout le monde le sait. Et je me suis dit quand même. Enfin, il milite à l'UPR pour l'instant. Il milite pour la sortie de la France de l'Union européenne. Il est partisan du Frexit. Voilà, exactement. Il défile avec des t-shirts non à la dictature de l'Union européenne. Et je me suis dit qu'avec vous comme père, sa mère étant. Carla Bruni et son beau-père Nicolas Sarkozy, je me suis dit qu'il avait vraiment montré qu'il faisait ce qu'il voulait. Oui, mais vous savez, c'est l'avantage des familles recomposées, Frédéric, c'est qu'il y a d'autres figures tutélaires à abattre que celles du père, c'est l'intérêt. Donc je ne sais pas de quelles opinions il a choisi de prendre le contre-pied, je crois surtout que ce sont ses opinions à lui. et qu'Aurélien, puisque vous me parlez de lui, est d'un métal suffisamment consistant pour s'être choisi tout seul une ligne idéologique, et d'ailleurs, y renoncer un jour, c'est lui qui décidera.